Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Galit, autrice, compositrice, interprète et chef de chœur engagée pour les droits des femmes. Je suis fière aujourd'hui de vous présenter mon projet de clip sur ma chanson « Des dragons et des flammes » contre les violences faites aux femmes. J'ai imaginé cette chanson comme un hymne à la sororité, comme une ode à la résilience et à la force des femmes. Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela ? Leaving behind nights of terror and fear. Un jour, j'ai appris qu'une de mes proches subissait depuis des années des violences conjugales. J'ai écrit la chanson assez vite, pour elle, presque en une nuit, et j'ai posté une version piano-voix de la chanson sur YouTube. Suite à cette vidéo, j'ai reçu sur mes réseaux des centaines de messages de soutien au projet et de nombreux témoignages de femmes qui m'ont complètement bouleversée. Ça m'a fait voir la nécessité de lever ma voix plus fort, pour elle et pour toutes. Le titre, dans sa version arrangée, a été sélectionné par André Manoukian qui m'a fait un retour très positif. Galit, j'ai envie de dire, mais quelle voix, quel texte. Réalisatrice, chorégraphe, comédienne, danseuse et un chœur de plus de 30 femmes sont déjà réunies sur le tournage du clip. On a pris contact avec des associations, des figures amies, des partenaires. Bref, on a essayé de porter le projet le plus loin possible du haut de notre label indé. En tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que mère, je crois qu'il est de mon devoir de sensibiliser sur ce combat et d'encourager le changement. La production et la promotion d'un clip musical nécessitent des ressources financières importantes. C'est pourquoi je fais appel à vous aujourd'hui avec cette campagne de financement participatif. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre énergie, de votre soutien. Ensemble, je crois sincèrement qu'on peut faire bouger les lignes. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour vos partages et pour votre soutien.